On vient d'une tournée en Amérique du Sud, là, Buenos Aires, Rio, San Paolo et Montevideo. Et on a été invité à Belgrade par ce festival qui est un festival important, qui s'appelle Bemus. Et on fait le concert inaugural et il s'est trouvé que c'était quelques jours après l'Amérique du Sud, donc on a relié tout ça avec le même programme que celui qu'on a fait en Amérique du Sud. Ça a l'air de sonner pas mal. C'est quoi comme orgue ? C'est celui l'orgue en liberté ? Oui, oui. Ah celui qu'il y avait en répétition. Qui est venu de Paris ? Ouais, en camion. En camion ? Wow. C'est génial ! C'est toujours intéressant de découvrir les publics du monde entier, enfin, parce qu'effectivement les sensibilités sont différentes, les œuvres vont toucher ou pas, la façon d'applaudir, la façon de recevoir les œuvres, voilà, c'est pas pareil. Donc c'est toujours vraiment assez passionnant de rencontrer des cultures différentes sur des musiques, je dirais, européennes. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue. Dans ce genre d'acoustique, ne forcez pas le son, en fait. Il vaut mieux essayer de chercher où est-ce que ça résonne un tout petit peu, hein, et pas chanter trop sec et pas jouer trop sec, d'accord? Parce qu'il n'y a pas du très très peu de réverbération. On y va, s'il vous plaît, chanteur. Extrême, là. J'aurais préféré peut-être y aller un jour plus tôt pour quand même avoir le temps d'aller à Belgrade centre. Ça m'aurait fait plaisir de revoir cette ville, j'ai pas vu depuis 10 ans. Voilà, donc là c'était vraiment typiquement la caricature de ce qu'on peut faire parfois dans ces concerts, c'est-à-dire arriver, hop, être à l'hôtel 3 quarts d'heure, aller dans la salle, faire le concert et rentrer à l'hôtel et prendre. Voilà. C'est un peu caricatural, donc on évite quand même ce genre de... Alors il reste là, le concert, là, le moment fort, là, quelques rencontres avec des gens, mais c'est fugace, c'est... Wow. Bon, mais voilà,
Ce qui est bien, c'est que ça clôt le point d'orgue d'une tournée, et donc voilà, ça a son sens dans le point d'orgue de la tournée. Alors, votre actualité, c'est aussi la sortie dans quelques jours, le 10 novembre, d'un tout nouvel enregistrement consacré à Mendelssohn avec une œuvre rare qu'on n'entend quasiment jamais, cet oratorio Christus. Que Mendelssohn n'a pas pu achever puisqu'il ne nous en a laissé que deux parties. Alors, pour redonner vie à cette œuvre qui n'a pas d'ouverture, qui n'a pas de fin, vous avez construit finalement tout un programme, toute une structure à partir d'autres œuvres vocales de Mendelssohn. J'ai choisi d'entourer ces fragments de cantates chorales de jeunesse, pour le coup, hein, de début. Mendelssohn en a écrit 8 très jeune, quand il a découvert Bach, en fait, et il en a écrit vraiment tout de suite 8. Et j'en avais choisi pour notre concert 5, et là, on en a enregistré 3 des plus importantes, qui sont vraiment, il y a une cantate sur la naissance, une cantate sur la passion, et une cantate sur la paix. Voilà, et donc, j'ai vraiment choisi d'encadrer les fragments de Christus avec ces cantates de jeunesse, qui sont pourtant d'une facture absolument exceptionnelle, pour montrer un peu les œuvres du début et la dernière œuvre. Et je pense que ça fait un album vraiment inédit, hein, et puis très, vraiment passionnant à découvrir, je pense. Alors l'orchestre ici, c'est l'Ensemble Orchestral de Paris. C'est votre premier enregistrement avec ces musiciens? Tout à fait, oui. Écoutez, il y a deux orchestres modernes avec lesquels je travaille régulièrement. C'est l'Ensemble Orchestral de Paris et l'Orchestre de l'Opéra de Rouen. Voilà, donc je suis ravie de ce compagnonnage. Et effectivement, on a plusieurs projets devant nous. Alors c'est l'Orchestre de l'Opéra de Rouen qui sera sur la scène du Châtelet avec voilà, vous. Voilà, en fait, j'ai jamais fait le Requiem de Forêt avec eux, donc je suis bien ravie. Enfin, on le fait pratiquement en entier, hein, mais il y a quelques numéros qu'on ne fait pas pour des raisons de plateau, où il faut un petit peu, c'est une fête, la nuit de la voix. Après, la soirée n'en finit plus. Voilà. Donc, vous connaissez. On a 20 minutes chacun. Merci infiniment, Laurence Equilbé. C'est moi qui vous remercie. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une inventivité mélodique fantastique. Forêt est un des grands harmonisateurs aussi du monde, avec peut-être Schumann, Chopin. Enfin, il y en a comme ça, quelques-uns qui sont vraiment exceptionnels harmoniquement. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, j'ai vraiment dirigé beaucoup ce Requiem, mais c'est la fin, le paradis, in paradisum. Voilà, parce qu'il a trouvé une couleur qui est unique et vraiment, il n'y a plus aucun poids sur rien. Voilà. Tout est en creux, mais comme une plume qui va vers là-haut. Et ça, c'est une impression spirituelle très très forte, je trouve. Donc ça, effectivement, j'adore le faire. Et j'adore le diriger parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de difficulté dans rien. Et que tout, voilà, que le chemin s'ouvre et que la lumière arrive. C'est un petit chien que j'ai depuis quelques mois. En fait, c'est un essai. Et j'adore, en fait. La petite Sam, elle s'appelle Sam. C'est une expérience, je trouve. Mais c'est plutôt charmant, c'est plutôt joyeux. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'est-ce que ça réveille chez les gens. Quand je croise les gens dans la rue, ils ont toujours un joli sourire quand ils regardent le chien. Et ça fait plaisir. Le raccord et le cancer, on n'a pas le temps de rentrer chez soi, on doit rester concentré sur ce qu'on a à faire. On pense à éventuellement comment corriger 2-3 choses soi-même par rapport à la petite répétition qu'on a eue. Et voilà, puis on essaye de se laisser aller un peu pour arriver relax.
Voilà, il faut arriver détendu. Merci, à tout à l'heure. Hein. Vous les premiers, je crois. D'après ce que j'ai compris. On ouvre avec le récuel. C'est pas joyeux, mais bon. J'ai l'honneur, l'avantage de faire venir sur scène l'orchestre de l'Opéra de Rouen, Haute-Normandie, l'ensemble Accentus, le tout dirigé par Laurence Equilbé. J'adore parcourir le monde pour aller voir les grandes installations, les grandes expositions, les grands musées d'art contemporain, voilà. Donc c'est vrai que ça c'est une passion et qui me nourrit aussi beaucoup dans mon travail musical. Moi quand je suis dans un... j'ai parfois beaucoup plus d'émotions dans une exposition d'art contemporain que dans un concert. Hein. Donc en tout cas ça, parfois ça se vaut complètement. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est... Mon œil est aussi très sensible, autant que mon oreille, je crois. Donc, après, ça fait longtemps que je fais de la musique, donc je suis musicienne, mais je dois dire que dans une autre vie, j'aimerais bien être plasticienne. Ça va ? Alors, Caroline Bourgeois, une grande amie et qui est une personne très importante dans le monde de l'art contemporain, grande commissaire d'exposition. Voilà. De l'art, comme elle dit. Elle dit nous dans l'art. Et des arts plastiques. Et en tout cas, c'est quelqu'un avec qui j'ai un dialogue sur toutes ces questions, de ce questionnement sur les arts plastiques qui est très intéressant. Caroline va aussi me soutenir sur mon souhait d'essayer de faire que les arts plastiques et la musique... pour certains projets se rejoignent. Qu'est-ce que tu penses de ces strips? Tu les avais déjà vus avant, non? Pas en vrai. Et ça paraît complètement fou que ça puisse être de la peinture, et ça m'étonne même. Mais c'est assez récent, non? C'est complètement récent. Ouais, c'est vraiment incroyable. Là, c'est un petit peu ce que j'ai lu sur le précis qui accompagne cette expo, quoi. C'est comment la technique peut mettre en danger la peinture, mais comment la peinture peut quand même gagner sur la technique. Ouais. Et voilà, interroger ça. En tout cas, que la technique ne suffit pas. Et je pense aussi qu'une œuvre forte, c'est quelque chose dont on ne comprend même pas comment elle est faite. Et il y a une sorte d'évidence simple. Oui, oui, c'est un petit peu ma recherche aussi comme chef d'orchestre. C'est essayer de montrer qu'elle n'a pas été fabriquée, quoi, qu'elle a été hop, comme ça. Il n'a même rien fait. Oui. Et souvent, quand je répète avec les musiciens, j'essaie de leur faire croire que l'œuvre n'est même pas difficile. Voilà. Qu'elle est en nous, on est même né avec. Hein? Ça, je trouve que c'est la meilleure définition de l'art plastique. Ouais. Dès que il y a trop d'effets, tu es pris dans l'effet et non pas dans l'essence. Ça, c'est vraiment très beau, je trouve, très réussi. Tu es dans l'infini, tout s'arrête là, en même temps. Ça recule aussi, tout. Oui, c'est ça, ça s'arrête là. Ça te... C'est vrai qu'un chef, un artiste en général, s'il peut avoir une vision vraiment... plus large que sa propre fenêtre, c'est très important. Enfin, moi, je travaille aussi beaucoup sur les matières sonores. Pour moi, mon oreille est aussi autant inspirée par le son proprement dit que par des sensations de matière. Ou, par exemple, Messiaen, il voyait des couleurs beaucoup dans sa musique. Moi, j'entends plus comme des matières sablonneux, glacées, vitrées. Il y a beaucoup de couleurs et de matières quand on entend la musique, en tout cas pour moi. Bon, alors bref, revenons à nos moutons parce qu'on a quand même du travail. Bon, donc, les dernières œuvres de Schumann, comme vous savez, il a écrit 5 ballades. Et donc, ces deux-là sont les plus, je dirais, remarquables, les plus extraordinaires. C'est vraiment des petits opéras de 40 minutes. Il faut les voir comme des ouvrages politiques, parce que les poètes romantiques allemands et musiciens se sont emparés
d'histoires qui sortaient de la geste médiévale, de la geste arthurienne, ou des histoires un peu qu'on se raconte comme ça. Et ils les ont transformées, réécrites, d'ailleurs c'est magnifiquement réécrit par Uhland, qui est un des grands poètes, et Geibel aussi, pour en faire un peu des œuvres, un message en fait, des allégories en quelque sorte. C'était des poètes épris de justice, de liberté, de république. Il faut vraiment l'avoir avec ce prisme-là, parce que sinon, ça reste des histoires du Moyen-Âge, bon, alors, exemplaires, mais enfin, bon, moi, qui nous touche moins. Mon préambule étant terminé, on va faire donc la première ballade du concert qui s'appelle « La malédiction du chanteur ». OK, Tutti, s'il vous plaît. Ouais. Tutti. Aïe, 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 aïe. Un, deux. OK, pas mal, pas mal, super. Il m'est venu un truc qui serait peut-être mieux pour faire un V-V-V-in. Peut-être au contraire, pas couper avant la troisième mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas respirer du tout et pas couper à chaque fois après le deuxième V. On réessaye? OK. Un, deux. Ça marche très bien comme ça. Et plus les gâteaux, c'est bien ça. Bravo. Excellent. C'est la scène de la tuerie, il faut quand même la réussir. Vous avez fait un travail magnifique, hein. Vraiment, ça va être super. Hein. Je me réjouis de ces œuvres. Et à Rouen, on se voit à Rouen alors. Merci. Ist auf mich gesunken, doch bin ich vor euch allen reich. Den Blick, okay? Un tout petit peu plus phrasé. Hein? Ça marche, oui, ça marche. Le type, il prend une transe. Hein? Tu vois, alors ça, c'est bien, vous êtes les extrêmes. Ça prend la transe, tu vois. C'est intellectuellement incroyable, cette phrase, non? Ouais. Après, dans le corps et tout, c'est difficile, mais c'est comme s'il pouvait... Il était débordé par tout ce qu'il avait à dire, tu vois. Ouais. Il y a exactement... Di-da-di-da. Toi, t'es là avec lui, là. Toi, bon, mind vibe, ça va. Oh, hey, toi, tu le regardes. Alors, on fait ça à nouveau? Alors, s'il vous plaît, les vents, est-ce que je peux vous entendre aussi, cinquième de T. Cinquième de T. Super. Est-ce que vous pouvez noter les cuivres, troisième de Schneller und Schneller, là le fortissimo de le diminuer. Si on veut avoir la chance d'entendre si le sol, fa, sol, fa, mi, ré, mi, ré, do, non, non, non. OK, tutti, cinquième de T. Cinquième de T, tutti. Attention. C'est quand même assez vite. Un.
Demain et après, plus probablement plus jamais de la vie. C'est la vie. Qu'on pense. Qu'on réfléchisse. Ah, en général, on contrôle un peu sa respiration pour voir si tout va bien au niveau du stress, tout ça. On regarde un peu s'il y a des solides, s'ils sont bien, si tout le monde est à peu près... content, enfin voilà. Puis moi je pense beaucoup aux premières mesures que je vais donner, que je vais diriger, quoi. Voilà. Je me mets dans le truc. J'écoute beaucoup la résonance et je me sers beaucoup des sons qui sont là, des matières qui sortent et je joue avec ça, quoi, comme avec une matière invisible. On prend les sons tels qu'ils arrivent, voilà, c'est comme si vraiment c'était des objets. C'est pour ça que c'est difficile de travailler à sec la direction, je trouve. Parce que moi, il y a beaucoup de gestes qui me viennent parce que tel son a été lancé comme ça, je le reprends et là je le fais. Je le refabrique, je le relance, etc. quoi. Donc on peut le faire dans sa tête, mais c'est un tout petit peu moins inspirant, je trouve.
pense que tous les chefs ont leur image sonore intérieure. Donc vous mettez le même orchestre avec un chef différent devant, il ne va pas sonner de la même façon. Parce qu'en fait, on a une image sonore et on essaye de vraiment la retrouver. C'est vraiment sensitif avec les musiciens. Et ça. Puis après, c'est une question aussi de travail. Par exemple, avec Accentus, j'ai beaucoup travaillé cette patte sonore. Maintenant, ils savent ce que je veux, ils savent ce que j'aime. Donc voilà, donc, on travaille toujours un peu dans le même sens. Et donc avec un orchestre, petit à petit, ils connaissent... Vos goûts, hein. C'est comme un peintre, hein. Un peu plus de bleu, un peu moins, là pour telle configuration, j'aimerais bien que ça s'étage comme ça, etc. On n'est pas compte, hein, mais c'est dingue. C'est bien. On est content quand ça c'est fini, parce que quand ça c'est bien fini. C'est le second là ou c'est le premier? C'est vous là. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bon, les gens ont l'air d'avoir aimé. Ça c'est chouette. Tant mieux.